Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir trois méthodes pour masquer son numéro sur Android et iPhone en 2020. Que ce soit sur iPhone ou sur un smartphone Android, il est facile de masquer votre identifiant d'appelant sortant et de bloquer votre numéro. Voici comment empêcher vos interlocuteurs de voir qui les appelle. Alors, les raisons qui nous empêchent à ne pas montrer notre numéro ou à appeler un inconnu sont nombreuses, que ce soit par simple gêne, pour une prise de renseignement discrète, pour réaliser un achat depuis un site de petite annonce. Il peut parfois être intéressant de ne pas montrer son numéro. Donc, en 2022, il est extrêmement simple de cacher son numéro de téléphone, que ce soit sur un smartphone Android ou sur un iPhone. Pourquoi masquer son numéro de téléphone? À chaque fois que vous partagez votre numéro de téléphone, vous choisissez de partager des informations personnelles. Cela pourrait entraîner des appels ou des SMS indésirables, tels que des spams ou, dans le pire des cas, une usurpation d'identité. Les appels indésirables sont frustrants pour les particuliers et parfois coûteux pour les petites entreprises qui ont besoin de leur ligne téléphonique pour répondre aux clients. Plus simplement, certaines personnes que vous appelez n'ont pas besoin ou n'ont pas à avoir votre numéro de téléphone. L'avantage est que ce choix nous appartient et que le processus est aisément réversible. Alors maintenant, comment appeler un numéro masqué avec n'importe quel téléphone? Si vous souhaitez appeler un numéro masqué de manière ponctuelle sur votre téléphone, qu'il s'agisse d'un smartphone Android ou d'un iPhone ou de n'importe quel téléphone, appuyez sur l'application téléphone, puis rubrique numérotation et saisissez le préfixe 10 31 10, et bien sûr ajoutez le numéro après. De son côté, votre interlocuteur ne verra pas votre numéro s'afficher. L'avantage, c'est que cette astuce fonctionne avec tous les téléphones qui restent ponctuels. Et notez que la solution du préfixe 10 31 10 est ponctuelle. Il faudra le taper à chaque fois que vous souhaitez appeler un numéro privé. Alors, comment maintenant appeler un numéro masqué sur Android? Si vous souhaitez faire en sorte que votre numéro soit perpétuellement masqué sur un smartphone Android, suivez les étapes suivantes. Vous allez ouvrir l'application téléphone, ensuite touchez les trois points ici, après appuyez sur paramètres, dans paramètres, appuyez sur services supplémentaires, après vous avez affichage de l'identifiant appelant, utilisez les paramètres par défaut de l'opérateur pour afficher mon numéro lors des appels sortants. Donc appuyez et vous avez masqué le numéro, affiché le numéro. Alors, si vous allez choisir masquer le numéro, ça veut dire le numéro est masqué en appel sortant. Votre interlocuteur ne va pas voir votre numéro affiché sur son appareil. Maintenant, on va voir comment le faire sur iPhone. Alors, pour iPhone, c'est très simple. Vous allez dans Réglages, chercher téléphone, là, appuyez. Ici, vous avez ici affiché mon numéro, appuyez. Si vous ne souhaitez pas afficher votre numéro sur l'appareil de votre interlocuteur, il suffit de désactiver ici. Alors maintenant, votre numéro ne sera pas affiché sur les appareils de vos interlocuteurs. Voilà, donc comme vous avez remarqué, c'est très simple de passer un téléphone en inconnu, ça veut dire sans que votre numéro soit affiché sur l'appareil de l'interlocuteur. Ah, donc c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.